Nous travaillons tous les deux à plein temps. Lé travaille à son compte et je suis aussi partenaire d'une entreprise. Notre emploi du temps est très serré. Nous avons 4 enfants. Notre aîné, Sacha, va avoir 19 ans en décembre. Nos 3 filles sont nées en décembre. Notre 2e fille, Nicole, va finir sa 12e année. Notre fils a 14 ans, il s'appelle Jared, et il est en 9e année. Et notre plus jeune est Bailey, et elle a 10 ans. J'ai moi-même été bénéficiaire du plan. Mes parents ont épargné auprès de la Fondation, et quand je suis rentré à l'université, les fonds étaient là. Et comme mes parents ont fait cela pour moi, j'ai voulu en faire autant pour mes propres enfants. J'ai tenu à m'assurer qu'ils aient les fonds nécessaires au moment opportun. Le plan offre certainement des avantages parce qu'il s'agit d'un programme très structuré. Un petit montant est retiré de votre compte tous les mois et éventuellement, vous avez assez d'argent pour vos enfants lorsqu'ils sont prêts à entrer au collège ou à l'université. C'est comme une police d'assurance. C'est un moyen de garantir que vos enfants pourront recevoir cette éducation postsecondaire parce que l'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Alors, vous voulez être sûr que les fonds dont ils auront besoin seront disponibles et vous ne voulez pas non plus attendre jusqu'au jour où votre enfant aura 18 ans pour vous demander où trouver cet argent. En épargnant au fil des ans, vous avez l'assurance de savoir que les fonds seront là et que vous n'aurez pas à vous en inquiéter dans l'avenir. Il n'y a pas de meilleur investissement. Tout d'abord, évidemment, parce que vous mettez des fonds de côté pour vos enfants, pour leurs études à long terme, mais aussi du fait que le gouvernement verse 20 % des premiers 2400 $ cotisés, ou quelque chose comme ça. Et je ne connais aucun autre instrument financier dans lequel vous pouvez obtenir ce genre de rendement. Vous transmettez en quelque sorte le message à vos enfants que vous vous attendez à ce qu'ils aillent à l'université plus tard et que vous avez mis cet argent de côté. Et donc, je pense que cela les pousse à aller plus loin, à viser plus haut.